siècle passé, dans l'atmosphère calme d'une ville de province, s'amorça une aventure qui passa à l'époque presque inaperçue. Une simple prière en fut le prélude. Prions au Dieu qui avait fait passer aux Israélites la mer à pied sec et qui avait conduit les trois mages par une étoile. Accordez-nous, nous vous en suivons, un voyage heureux et un temps tranquille, afin qu'en compagnie de votre ange, nous arrivions à destination et jouerons si nous heureusement au port du salut éternel. Ô Dieu qui, après avoir conduit votre serviteur Abraham hors de la ville d'Ur en Chaldée, mes bien chères sœurs, vous êtes arrivées aujourd'hui à un moment très important de votre vie. Il y a quelques mois, vous abandonniez votre famille afin de vous donner entièrement à Dieu. Et aujourd'hui, vous allez quitter votre pays pour en adopter un autre. De ce nouveau pays, nous ne savons pas grand-chose, mais ce que nous savons, c'est que le peuple qui l'habite souffre dans son corps et dans son âme, et il attend le réconfort moral de l'Évangile en même temps que le soulagement de ses misères. Et joyeusement, vous vous êtes offerte, et vous n'avez pas marchandé votre offrande. Et afin de mieux réaliser votre idéal, vous renoncez totalement au bien le plus précieux qui soit, le bonheur de la famille. Votre famille, vous l'avez déjà quittée, bien sûr, mais vous pouviez la rencontrer encore. À présent, l'océan vous en séparera, peut-être pour toujours. Et ce sacrifice, vous l'avez accepté, vous et vos chers parents. Combien de temps pourrez-vous travailler en terre d'Afrique? Vous l'ignorez, mais vous connaissez le nom de ceux et de celles qui vous précédèrent et succombèrent à la tâche, l'ayant à peine ébauchée. L'œuvre nécessite sans cesse de nouveaux bras. Et grâce à vous, la chaîne ne sera pas interrompue. Et grâce à vous, le peuple noir sortira de sa misère. Et grâce à vous, la lumière jaillira au centre de l'Afrique et vous réaliserez avec la grâce de Dieu la parole de Jésus notre Seigneur. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Séjour à l'embouchure du fleuve, les sœurs se remettent en route pour répondre à un appel au secours. À 2000 km de là, en pleine brousse, deux missionnaires surmenés ont besoin de leur aide. Il faut d'abord essayer d'atteindre Kintambo, l'actuelle Léopoldville, franchir la barrière des monts de cristal. 20 jours de marche. Un jour de montée et de descente continuelle, tout au long de cette sinistre route des caravanes, qui pour tant de pionniers fut un chemin sans retour.
corvée. Les repas à préparer. Il y a les pieds à soigner. Ces pieds qui font si mal à cause des insectes qui pénètrent sous la peau. Puis il y a les nuits et la sarabande des moustiques. Le paludisme. Les sœurs retrouvent devant elles le même paysage menaçant. Chaque jour, elles se retrouvent devant les mêmes obstacles, les mêmes difficultés. Mais malgré la fatigue et sous un soleil implacable, elles avancent soutenues par leur confiance en Dieu. D'horizon sans fin. De Luebo vers Mikalaï, terme du voyage, à nouveau 7 jours de marche, à nouveau d'innombrables rivières à passer. Et bientôt, l'accueil de Mikalaï. Yeah.
moment de l'arrivée des cinq sœurs, existait au Congo belge et Rwanda-Urundi l'émission suivante. Mulueva, fondée en 1880, abandonnée ensuite à cause des grandes difficultés provoquées par les esclavagistes arabes. Kibanga, 1883, décimé par la maladie du sommeil. Mukabakwe, 1883, décimé par la maladie du sommeil. Mpala, 1885. Moanda, 1888. Nouvelle-Anvers, 1889. Bergue-Sainte-Marie, 1889, décimé par la maladie du sommeil. Boma, 1890. Baudouinville, 1893. De ce passé déjà lointain, il reste peu de vestiges. La cathédrale d'acier de Boma, don personnel du roi Léopold II. L'église de Moanda, premier poste sur l'Atlantique. Un clocher sur la rive du grand fleuve à Stanleyville. Baudouinville, au bord du lac Tanganyika. Mikalaï, près de Luluabourg, au centre du Kassai. Mpala, mission forteresse, où vinrent mourir les derniers assauts des trafiquants arabes qui razziaient le pays et emmenaient les jeunes enchaînés vers des marchés lointains pour les vendre comme esclaves. De multiples dangers guettaient les missionnaires. Avant tout, il fallait essayer de rester en vie et de maintenir en vie le petit poste fondé au prix de grands sacrifices. Cependant, des audacieux allaient s'enfoncer dans l'inconnu pour essayer d'établir des contacts avec les habitants. Les villages se vidaient. Orate fratres. Les frères sont loin, très loin. Les seuls frères qui osaient approcher, c'étaient les malades, les malheureux. Des premiers missionnaires, d'autres s'avançaient à leur tour. Des petites caravanes s'enfonçaient de plus en plus vers l'intérieur. À leur approche, la population prise de panique s'enfuyait.